Avec Claude Vaucouloup, le directeur général de la maison de l'entreprise. Bonjour Claude. Bonsoir Miguel. Encore et encore un événement extraordinaire ici à la maison d'entreprise au sein de l'UMM et du MEDEF. Bravo à vous. Alors est-ce que vous pouvez justement nous dire un mot sur cette soirée? Là on est en fin de cette soirée. Comment vous l'avez-vous ressenti et puis le ressenti aussi du public qui était présent? Oui, effectivement, vous avez raison, c'est un succès et nous en sommes très heureux. Nous avons fait venir ici sur le parvis de la maison de l'entreprise les trois armes, terre, air et mer, y compris mer pour un territoire comme Lyon, oui. Qui n'est pas spécialement évidemment réputé par ses plages, mais aujourd'hui nous sommes effectivement très heureux d'avoir pu réunir ce magnifique plateau avec l'armée française qui joue véritablement le jeu, qui est venue ici, et le général Gravette vous l'a expliqué sans aucun doute, qui est venu ici pour faire du business aussi et pour solliciter les entreprises y connaissent pour qu'elles puissent apporter leur concours à la fourniture de services, la fourniture de matériel et à l'armée française. Et c'est vraiment une excellente chose. Alors cet événement que l'on a voulu à la fois précis, organisé à la militaire quelque part, quelque chose de très carré, on le voulait aussi quelque chose de très utile et en même temps quelque chose de convivial, de sympathique, avec notamment des démonstrations de matériel militaire sur le parvis de la maison de l'entreprise, un cockpit de Mirage 2000, un simulateur, des véhicules blindés, bref, quelque chose d'inhabituel. Et je l'ai dit d'ailleurs dans mon propos introductif en tout débarrage de l'événement, c'est pas coutumier tous ces uniformes à la maison de l'entreprise qui en règle générale reçoit plutôt des chefs d'entreprise, des étudiants aussi avec le pôle. Et en tout état de cause, nous sommes très très heureux de cet événement de ce soir et de la présence des militaires qui, une fois de plus, ont véritablement joué le jeu. Absolument. Merci beaucoup Claude Vaucouloup pour ce mot de la fin. Merci à vous, Miguel.